Donc, le pasteur m'a demandé de porter votre langue, l'une de vos langues, le créole, et je suis allé à porter le créole, il n'y a pas de problème pour moi. Donc, lorsque moi j'étais, donc j'ai vécu dans la mission presque 2 ans de cela. Il y a des difficultés de toutes sortes. Mais mon Dieu t'a mis des leaders. Humaniste, homme de Dieu. Donc, j'ai commencé mission ça et cette œuvre missionnaire avec le pasteur Steve Hughes. Il travaille en arraché avec moi pour devenir missionnaire ici. Après, mon Dieu, il voulait faire l'autre bagage. Bon Dieu vient dans mon lot libère pour faire mission ça avec moi et Kevin Porter. Après, il travaille très serré avec Kevin pour presque jusqu'à ce qu'on vienne là. Au moins, nous avons gagné 13 réunions avant de venir à l'autre. Moi, j'ai eu environ 3 réunions avec Steve Hughes. Environ 10 réunions ou 8 réunions avec Kevin Porter et Révérend Sandra Dorsenville. Finalement, brièvement, menons là avec aujourd'hui. On ne peut pas comprendre combien c'est difficile pour nous là aujourd'hui. Mais il serait difficile pour mener 14 mondes dans presque 14 différentes églises en Haïti. Il est difficile. Donc, de ce fait, nous présentons, nous avons les premiers, nous allons chanter aussi pour vous. We also like to sing a wonderful song for you. J'aimerais leur demander de nous joindre sur la chaise. Parce que vous avez de très belles voix, nous aussi, nous avons aussi de belles voix à vos sons. Au cas où vous ne saviez pas. Et vous allez pouvoir le constater tout à l'heure. Je laisserai aux soins de mon co-leader de présenter les visiteurs à tour de rôle. Il va citer leur nom. Ce n'est pas à moi de le faire. Donc, je tourne la chaire à Kevin Porter. Il va faire ça pour nous. Juste avant de chanter, Kevin. Oui, même pas connaître ça qui passait, mais ils sont pas sortis. Oui. Bonjour. 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 Oui. I bring greetings from the American Baptist Churches of Massachusetts, USA. Nous saluons maintenant l'Église Baptiste, des Églises Baptistes Massachusetts. As the past president of the American Baptist Massachusetts, I greet thee, and I bring also greetings from our prior director of missions and stewardship, Steve Hughes. I would also like to introduce Kevin Doyle. That's the seat. And then we also have Joshua Harris. That's the seat. Joshua Harris.
Ralph Lamie. Ralph Lamie. And we have Fred Matthew. Fred Matthew. Ariel. And I have a hard time with the last name. Courtney Stevens. Joseph Liz. Reverend Joseph Liz. We have Margaret Pickett. And we have Deborah Hunt. And last but not least, we have Genesis Lamb. And we all welcome you from the States. Le blanc qui sous chair, mais des pétasses qui nous lient, même
c'est lui en pilule. Quand elle exactement me dit, mais combien il y a un théâtre qui est sur lui, ma boue, quoi, je veux. Quoi, je veux. C'est la façon de se faire. Et puis, ne vous l'avais-je pas dit que nous aussi, à Boston, nous avons de très belles voix? Ok. Merci, je demanderai aux, à nos visiteurs de reprendre leur place. Okay. Nous allons terminer, nous allons nous arrêter là. Notre mission n'est pas au sujet de chanter ou de simplement venir vous voir ce matin dans votre réveillée architecture. Mais si vous formez à nous sommes venus à la reconstruction du temple de la première église baptiste de l'île. C'est surtout là notre préoccupation. Et ça a été ma vision initiale que Dieu m'avait donnée. Et ce matin, nous avons tout mis dans la légalité afin que nous soyons avec vous ce matin. Et demain matin, nous serons déjà au pied du mur pour commencer notre œuvre et en compagnie de nos visiteurs et des pasteurs et locaux. Et qui vont bien sûr nous accompagner et à cette reconstruction. Je vous demande donc de nous tenir, de nous garder dans vos prières, afin que le Seigneur puisse continuer à déverser ses riches et abondantes bénédictions sur nous. Parce que nous avons tous laissé des membres, des familles derrière, et nous sommes venus. Mais c'est notre devoir, c'est Dieu qui nous a placés tous à faire ce travail ensemble, et autant marqué. Il a réservé pour chacun de ses serviteurs et servantes une récompense. Je ne sais pas de quoi cette récompense est formée, de quoi elle est formée, mais Dieu nous a réservé tous ici, ce matin, une grande récompense dont peu de gens connaissent l'envergure. Que le Seigneur vous bénisse. Et si nous n'avons pas la chance de se revoir un jour, je sais qu'un jour ou l'autre, nous serons tous en haut, là-haut. Amen. Disons béni soit l'Éternel. Disons béni soit l'Éternel. Si vous êtes content et si vous vous sentez béni ce matin de nous voir, levez-vous. Levez-vous. Nous ne sommes pas seulement baptistes, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Nous attendons toi, un bon pour nous, un bon pour nous. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime dans le Seigneur. Vous avez fait? 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 Après avez fait? Vous 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 avez fait? Et puis, après midi, nous avons eu un dernier culte qui a été dirigé par la congrégation Bois-Bernard. Et mardi, si de peu, et comme nous annonçons, c'est que les bien-aimés visiteurs Sayo, ils sont là, c'est pour capabiliser nous dans la reconstruction, ou bien la construction, puisque la congrégation Le Meilleur, la première seconde, l'enlèvement de terre 2 janvier, a été tombé. Et ils ont fait un petit effort déjà sur le plan local, les visiteurs Sayovini pour capables d'aider nous à avancer un peu plus. Donc, il a passé toute semaine là, dans la construction, et il a retourné samedi, si je veux, et la caillou. Donc, priez pour eux, et parmi eux, il y a un de très jeunes, et parmi eux aussi, il y a un de retraités.
Donc, priez pour que